Arasa Blevic. Le jeune deuxième ligne, Paul Gédraziak. Retour dans le fermé. Avec Delany. Feinte pour donner à Fofana. Il s'engage. Guilford est là pour venir buter sur Camara. Mais l'espoir du bonus s'envole pour Clermont. Il leur manque deux essais. Le plaqueur qui ne sort pas côté toulousain. Lugia, Radosavljevic, Nakaitasi avec Delany. Le raffut de Delany qui n'échappe pas à Steenkamp. Radosavljevic encore. La petite chistère intérieure avec un gros bouchon sur Guilford. Du sautoir, comme par hasard. Nakaitasi, Chouli pour le raffut de Fofana. Il échappe à Palisson. Et voici le deuxième essai de Clermont, signé Wesley Fofana. Ouais, au terme d'une action rondement menée avec patience par les Clermontois, beaucoup de jeux autour pour chercher à fixer cette défense de Toulouse qui a été jusqu'à cette dernière situation extrêmement en place. Et là, face à des avant, la vitesse de Fofana qui se débarrasse avec un joli raffut de Palisson qui leur permet de conclure. 1 minute 37, cette longue séquence, 13 phases de jeu conclue par le plongeon victorieux de Wesley Fofana. Et il va rester 3 minutes à Clermont pour viser le bonus offensif. Voilà, il n'aura plus l'occasion de briller en attaque ce soir, Fofana. Et bien il a réussi à profiter de la quasi seule transformation manquée. Le score 24 à 6 pour Clermont. On s'en doutait depuis longtemps.